Bonsoir, ce soir sur Canal, il y a... Ouais, j'en ai marre de le dire. Là, ça commence à bien faire, moi j'en ai ras la carafe. Ça fait longtemps que j'ai pas dit le mot carafe, tiens. Vous avez des carafes encore chez vous? Bon, sinon, ce soir sur France 3, il y a le jour d'après. Mais attends, du coup, ce soir c'est déjà demain? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est hier. Oh mon dieu, je crois que je suis coincé dans une faille spatio-temporelle comme Gérald Darmon ou Laurent Gérard. Ah, le jour d'après, c'est le titre du film. Donc pas besoin de faire des imitations, regarde. Ah, salut, c'est Team Seat. Le jour d'après est un film arrangé dans la catégorie des films catastrophes, comme par exemple Les Bronzés 3, Taxi 4 ou encore Le Baltringue. Et si c'est pas des films catastrophes, c'est quoi? Des films catastrophiques, oui. L'histoire du jour d'après, c'est du jour au lendemain, l'humanité qui plonge dans une ère glaciaire. Oh merde, je suis tombé dans la glacière! Non, une ère glaciaire. Genre du jour au lendemain, il fait moins 20 degrés sur toute la planète pour des raisons mystérieuses. Mais pour des raisons mystérieuses, mon cul! À rouler tes mécaniques dans ton 4x4 et à prendre des bains pour sentir bon 200 litres de flotte! Mais tu pues, mon gars! Non, ce qui veut dire, c'est que si tout le monde s'y mettait un peu, on pourrait changer la donne écologique avec des petits gestes simples. Mais tu vas arrêter de les brosser dans le sens du poil, oui! Ils comprennent rien, c'est con! Tiens, tu veux un geste simple, bim! Là t'as Hulot et là t'as Yann Arthus! N'empêche, ça doit être super flippant d'assister à la fin du monde. Demain, sur la majeure partie ouest, un raz de marée est attendu avec des vagues allant de 30 à 50 mètres de hauteur, avec un moins 65 degrés sur l'île de Beauté. Ce soir, pas de danse avec les stars. Quoi ? Pas de danse avec les stars ? C'est la fin du monde ! Donc ce soir sur Canal, il y a... Bonne soirée à tous. Est-ce que ce serait pas le temps pour toi de t'abonner à la chaîne Speakerine ? Ouais ? Ça marche.